Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как я прохожу обучение на курсах по французскому языку от Cavillam Alliance Française de Vichy, находясь у себя дома в Костанае. Для того, чтобы войти в базу, мне нужно подключиться, ввести логин, пароль. И далее здесь появляется раздел Pédagogie, и мне нужно нажать на Emploi du temps, где появляется ссылка на Zoom того преподавателя, к которому я прикреплена. Давайте подключимся и посмотрим, что произойдет. Открываем приложение Zoom. Bonjour Marzane. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Bactigul, Margarita, Elena. Bonjour. Bonjour Bactigul, ça va? Bonjour, ça va. Et vous? Oui, ça va, merci. И таким образом наш урок начинается. Мы ждем, пока все подключатся, и в дальнейшем выполняем различные задания. Я сегодня вам покажу, как мы это делаем. Ça va, il fait toujours très chaud. Oui. Pas d'envie de sortir dehors. Oui, voilà, c'est ça. Oh là là. Когда все собираются, мы начинаем наше занятие и делаем различные виды заданий, которые нам дает преподаватель. Donc là, j'ai vraiment suivi toutes les étapes qui me semblent nécessaires, hein, qui sont dans l'ouvrage donc dont je vous ai parlé hier. Et voilà, si on ne finit pas aujourd'hui, on finira demain, c'est pas grave, à découvrir l'épreuve. Donc je vous envoie, alors j'aimerais bien, voilà, converser avec vous. Mon doc est bien partagé, donc je vous envoie le lien et on regarde ensemble ce qu'il faut faire pour que ce soit bien clair. Une fois, j'ai une petite question technique à vous poser. Quand je vais... Bonjour. Bonjour. Nous sommes voilà. Trois déjà. Ouais. Pas un binôme. Bien. Il faut d'abord lire les consignes. Les définitions, là. Pour faciliter les choses. Voilà. Comme ça, la première information. Je rendrai compte fidèlement des idées contenues dans les documents. Je pense que c'est le synthèse. Oui, c'est synthèse. On fait, on fait plus. Ici, synthèse. Pas un essai. Est-ce qu'on peut mettre les deux? Non. Ici, on, dans la synthèse, on résume les idées contenues. Ah, d'accord. Dans la c'est comme un compte rendu, d'accord. C'est tout. Ouais, un compte rendu. Je dois rédiger un document argumentatif sur le thème des deux documents fournis. Argumentatif, c'est le essai. Oui. Parce qu'on doit exprimer son opinion, je pense. Oui, trouver des arguments. Bien. Ah, 12 points, c'est essai. Oui. Oui, 12 points, essai. Et 13, synthèse. Alors, c'est... Oui, ouais, synthèse. 13, synthèse. Alors, courrier, problème, on va prendre le discours. Confirmation. La deuxième affirmation, nous pensons que c'est synthèse et essai. Non?
Alors, est-ce que tu peux nous lire, est-ce que tu peux nous lire l'affirmation? Je dois rédiger un texte. C'est mon opinion. C'est essai. Oui, là, c'est strictement l'essai. Essai, oui. Oui. Huitième, Margarita. Je donnerai. Pardon, je dois écrire un texte d'environ 220 mots, plus au moins 10%. C'est la synthèse. Oui. Alors, et là, c'est pareil. On va le voir parce qu'on va regarder ensemble les critères de correction. Et donc, là, c'est pareil. Hein. C'est sanctionné si le texte est trop court ou trop long. Ça fait aussi partie de la synthèse. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement restituer les idées fidèlement, mais c'est également arriver à concentrer. Вот так проходит наше занятие онлайн каждый день в течение 3 часов. А о своих впечатлениях от этого обучения я вам расскажу в следующем видео. Не пропустите. Пока-пока!